les obligations de chacun d'entre nous. Voilà. Nous, on est des salariés honnêtes qui travaillons, qui nous levons le matin, et on aimerait bénéficier de la richesse, puisque on fait partie de la productivité de cette richesse. Aujourd'hui, cette direction, elle a fait main basse sur des millions d'euros afin de se mettre autour de la table. Elle n'a pas respecté. Par contre, pour intimider, mettre la pression aux salariés qui ont renoncé à la grève suite à des intimidations, de l'harcèlement, c'est dans ce cadre de figure qu'on a saisi, parce qu'on a bien fait tout en bonne et due forme, on vous a fait signer conformément à la loi 48 heures avant, on a pacté inspection du travail, direction, on a... prostituées sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes. Le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Dans le cas de la lutte, il y a de l'espoir. Dans le cas de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on lâche rien. On lâche rien. Alors, mais c'est pas changement, c'est alors, l'autre jour, tu me disais.